ce gars. En tout cas, est-ce que tu penses que la Guyane est un paradis? Bah écoute, dans un premier temps, c'est que ici, j'ai envie de dire que tout est à faire. Tout est à faire, on a pas mal de ressources qui sont à développer. Et puis, voilà, on a, j'ai envie de dire aujourd'hui, on a les yeux ouverts et on sait très bien, on le sait, par rapport à la faune et la flore, par rapport à l'infrastructure, par rapport, voilà, par rapport à pas mal de choses, à nos études, à tout ce qu'on sait qu'aujourd'hui, on sait ce qu'on a entre les mains en tout cas. Et donc ici, comme tout est à faire, je pense qu'ici, ouais, c'est un paradis. Certaines personnes continuent à dire que ça ne l'est pas, ça n'est pas un paradis. Qu'aurais-tu à leur dire? Non, c'est pas, je pense que ces personnes-là se basent que sur les mauvais côtés. Mais comme partout sur cette planète, il y a des bons et des mauvais côtés. Mais franchement, en Guyane, il y a tellement de bons points. Et ces bons points, je pense qu'on doit s'appuyer dessus pour pouvoir élever les consciences. Quoi.